Salut, c'est Rémi Hortz du Nevada Studio. Comment va la planète? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les news, c'est Falcon 3 de UV. Allez sur uv.net et téléchargez la dernière version. Pour les utilisateurs de Falcon, eh bien, c'est entièrement gratuit. Ils ont fait très fort et vous allez voir une petite vidéo de présentation donc de la dernière mouture donc de Falcon, la version 3, ils soignent leur présentation, toujours UV, c'est de la qualité et nous allons voir donc les nouveautés et notamment tester bien sûr les nouvelles banques de sons qui sont incluses dans cette nouvelle version de Falcon 3. Donc avec pas mal de nouveautés, nous allons voir ça bien juste après la présentation de cette nouvelle mouture de Falcon 3. Alors, quelles sont les nouveautés? Les nouveautés, eh bien, il y en avait déjà pas mal dans la 2. Donc, et vous avez des nouveaux oscillateurs, avec Harmonic Resonator. Donc, c'est tout pour créer, franchement, vos sons. Parce que moi, je dois vous l'avouer, j'utilise Falcon avec... je prends les sons et puis je modifie quelques petites bricoles par-ci par-là et je prends donc les presets existants. Mais Falcon est un outil super puissant pour faire eh bien, de la synthèse sonore et ils ont amélioré dans cette version 3 la façon justement dont il faut aborder un petit peu donc, la synthèse sonore avec des templates. Voilà, donc là vous voyez en même temps, donc ils ont rajouté pas mal d'effets. Et surtout ils ont inclus donc Opal, voici Opal, donc le fameux compresseur, optical compressor donc qui est inclus maintenant dans Falcon pour tout ce qui est inclus dans toutes les librairies que vous avez. Donc vous pouvez utiliser ces nouveaux effets comme Harmonic Resonator, Dispersor, voilà, donc avec quelque chose d'assez spécial d'ailleurs sur celui-là. Et ensuite, pas mal de scripts qui vont faire que vos sons vont totalement prendre une autre dimension avec le Motion Grid. Voilà, ça me rappelle un petit peu le premier jeu vidéo qui est sorti. Le Snowflakes, voilà, c'est une séquence qui modifie donc le sustain. Voilà, c'est intéressant. Et en même temps, donc, vous pouvez écouter le rendu juste derrière. Donc, facilement. Et ensuite un node harp, voilà, et vous voyez il y a plein de petits points qui se baladent un petit peu partout, c'est bien fait. Alors le MIDI out qui prend un nouveau contrôle sur vos soft et votre hardware externe, et évidemment beaucoup de fonctionnalités qui permettent donc de faire évoluer vos sons et j'en suis pas encore là. Voilà. Des nouveaux mappers. Et voici ces fameuses templates qui vous permettent eh bien, de partir de quelque chose d'existant et notamment beaucoup d'utilisateurs et voilà, et donc les presets qu'on va avoir de suite après avec des nouveaux sons, voilà, des nouveaux presets et un petit rappel de ce qui est nouveau depuis la version 2. C'est vrai qu'il y avait pas mal de nouveautés déjà dans la version 2, j'ai pas du tout fait le tour. Voilà, j'ai fait quelques tutoriels sur l'utilisation de Falcon dans la synthèse sonore. Vous allez voir que vous pouvez bien sûr intégrer vos propres sons. Donc voici donc Falcon dans la version 3. L'ergonomie, rien n'a changé, c'est l'intérieur, les menus, et bien vous avez pas mal, et puis évidemment la Falcon Factory. Donc ce qui est intéressant, moi je trouve que pour ceux qui n'ont pas trop de connaissances en synthèse sonore, on peut partir, parce qu'il faut avouer quand même que c'est assez complexe Falcon, complexe et complet aussi, donc ça veut dire que vous pouvez faire, eh bien,
vraiment des sons, mais alors à l'infini, vos propres sons. Donc c'est ça qui est aussi gratifiant pour vous si vous connaissez la synthèse sonore, c'est que vous pouvez créer vos propres sons, donc vos prods vont pas ressembler à celles du voisin. Mais il va falloir mettre la main dans le cambouis parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'icônes qui vous permettent donc de créer vos sons. Donc le rajout de ces templates, je trouve ça très intelligent pour ceux qui ne connaissent pas donc trop la synthèse sonore. Je suis sur un programme analogue. Ce qu'ils appellent un template, c'est-à-dire que vous pouvez carrément donc faire vos propres templates dans l'ordre que vous voulez. Les possibilités sont infinies. Allez voir mes tutoriels, c'est qu'une partie de l'iceberg. Le reste est caché en dessous. Ensuite, on va regarder donc d'autres templates, Supra par exemple. Et on peut facilement, donc si vous avez des contrôleurs, et je sais qu'il y en a parmi vous, donc assigner les contrôleurs par exemple de cutoff. Donc faites un clic droit sur n'importe quelle zone, n'importe quel switch et puis vous faites un MIDI learn. Vous tournez le bouton de votre contrôleur et ainsi vous choisissez donc de contrôler n'importe quel bouton. Voilà, on va voir pour voltage ici. Voilà, on bouge et puis automatiquement. Voilà, ça c'est donc le deuxième, troisième template, je pense. On va passer sur. On va pas tous les faire. Par exemple, un orgue vintage. Voilà, donc créer vos propres sons à partir de quelque chose d'existant. C'est ça la force de Falcon. Allez sur leur site parce qu'il est à un prix assez intéressant. Et pour ceux qui ont déjà la version déjà Falcon, eh bien, elle est gratuite. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a plus de 1500 presets nouveaux avec une factory. La REV 2, on va le voir juste après. Au niveau des effets, je ne vous dis pas ce qu'il y a. Il y a la Spark Verb, bien sûr, le band compresseur. Vous avez toutes les catégories donc d'FX. Et puis, alors cette reverb est vraiment magnifique, c'est la Spark Verb. Donc tout est utilisable par rapport à toutes vos banques que vous avez donc achetées chez UV. Allez voir donc sur UV.net toutes les expansions, parce que quand vous achetez donc Falcon, eh bien, il vous offre un voucher de 100 € donc à valoir sur toutes les banques qui sont disponibles pour Falcon. Moi, je les suis UV depuis pratiquement le départ, depuis leur version Workstation 1. Workstation, c'était leur, et c'est toujours d'ailleurs leur player gratuit. Donc Falcon n'est pas compatible avec Workstation. Workstation, par contre, a bien pratiquement toutes les banques que vous achetez, eh bien, vous pouvez les inclure avec donc, le Workstation. Et vous avez la possibilité, pour ceux qui ne connaissent pas UV, de télécharger la version donc gratuite de Workstation avec pas mal de samples, pas mal d'extraits de banques. Et vous pouvez vous apercevrez donc de la qualité des sons de UV. Vos sims. Et vous pouvez bien sûr sauvegarder vos propres programmes, faire vos propres templates. C'est ça aussi la puissance donc de Falcon. Et vous pouvez évidemment partir de quelque chose d'existant ou partir de rien du tout et faire votre propre son avec les oscillateurs, avec les modulations, avec les effets, etc. Créer vos propres sons à partir aussi de vos samples. Donc voilà, template, sauvegarde des templates, nouvelles fonctionnalités, nouveaux effets, ils ont inclus Opal. Hein, vraiment, c'est quelque chose de très joli, donc de très beau, pardon. Il faut aller tout simplement sur les effets et rajouter donc niveau dynamique. Et vous avez Opal ici, et vous avez les presets d'Opal. Donc par exemple, pour un key, par exemple, allez, hot and slow. Voilà, vous avez votre. Et
Bien sûr, vous pouvez pas. Il est inclus dans Falcon. Vous pouvez pas l'utiliser en insert dans vos pistes. Là, il faudra l'acheter vraiment à part. Mais c'est ça que je trouve très intelligent parce que dès qu'il crée, par exemple, un dual delay, un spark reverb, eh bien de suite, on a des versions, des nouvelles versions dans Falcon et vous bénéficiez donc de ces effets. Donc, on va voir de suite ce qui se passe dans la nouvelle Factory qui s'appelle la Rev 2. Nous avions à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, donc si vous achetez que Falcon, donc sans rien du tout, sans son, sans rien du tout, eh bien vous avez quand même la Factory. Vous aviez la Falcon Factory avec donc des sections animated, etc., bass up, tout bien catégorisé. Et là, ils ont rajouté donc 1500 presets, c'est énorme avec le Rev 2 et avec un nouveau look au niveau des presets. Voilà, vous avez donc la catégorie ambient et là vous avez. On vous retrouvait, si vous voulez, des choses assez simples, toujours pareil, comme moi qui aime bien utiliser les presets et avoir donc et utiliser les sons instantanément. Vous avez 2, 3, 4 réglages, qui diffèrent selon le preset. Là, par exemple, vous avez pour cette catégorie, pour ce son ambient, le dust. L'effet d'organe, le son d'orgue que vous pouvez donc faire ressortir, et deux effets, le délai et la réverb que vous pouvez moduler. Donc déjà, votre son, il est fait si vous êtes bien satisfait de ce son, et vous pouvez légèrement le changer avec la proposition de quatre petits potentiomètres qui sont inclus, donc là évidemment. Et après, vous pouvez aller dans l'édition, parce qu'il faut savoir que les sons les presets utilisés, eh bien vous pouvez bien sûr les éditer et ils sont déjà bien avancés. Vous voyez qu'il y a des équalisations qui sont faites. Là, Event, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez simplement rajouter, je pense, quelques boutons, je l'avais vu. Et évidemment, l'histoire des mappers, donc, qui ont été des fois rajoutés et qui sont donc dans certains presets de cette nouvelle Bank Factory Rev 2. On va revenir vers l'info et on va tester donc pas mal de sons de cette nouvelle banque. Vous voyez là, il y a beaucoup plus de réglages. Vous pouvez affiner plus avec plus de précision. Déjà avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est le double du premier son. Donc vous avez quand même le pitch et vous avez la densité du son qui peut être intéressant. Augmenter ou eh bien descendre donc tous les faits granulars. Et ils ont choisi de mettre là que le délai sûrement parce qu'il n'y a que ça. Il y a un expander, voilà, et donc un maximiseur. Bien sûr, les déswitcher. Alors, au premier abord, entre la Factory Rev 2 et l'ancienne Factory. Les sons ici sont, alors je dirais pas qu'ils sont moins travaillés, mais ils sont moins riches et donc ils étaient complexes. Beaucoup de sons de la Factory
de la première factory était complexe. Là, je pense qu'ils sont allés dans l'intimité. Alors, on va voir que, bien sûr, dans Ambient, on ne va pas avoir une multicouche de sons, ce qui pourrait d'ailleurs être possible. Et là, on va se retrouver avec des sons beaucoup plus soft, abordables, je dirais. Des sons à la Matrix. Bien sûr, pour faire du sound design, ce qui est créer des jeux, du sound design pour les jeux, ça me paraît très intéressant. Voilà, cette catégorie ambiante est magnifique. La partie RPG. Ils sont un peu plus complexes. Là, on retrouve donc ce qu'on avait dans l'autre banque, dans l'autre factory bank. Ce qu'on peut faire, hein. Ils ont vraiment des presets qui sont hyper riches, et le dual delay, il est vraiment très très bien, très très chouette. Vous voyez de suite avec des schémas comment fonctionne le délai, et puis il suffit évidemment d'aller. Alors je pense qu'il y a des presets évidemment, on va voilà, donc il y a des presets. Hein. Imaginez-vous ce qu'on peut faire avec. Allez, on revient sur ces sons-là. Très joli.
Donc, vous voyez, rien que dans la catégorie donc son RPG, regardez ce qu'il y a, c'est impressionnant. Donc, voilà. On va aller dans les basses, on va tester quelques sons de basses avec, eh bien, de suite, quelque chose de très très beau au niveau de l'ergonomie. Là aussi une énorme quantité donc de sons de basse à la catégorie Bells. Et là aussi, il y en a un wagon. Les brasses, toujours bien classifiées. Avec un arpégiateur derrière. Pourquoi pas? Avec beaucoup d'analogue quand même, hein, c'est pas mal, hein. Source d'inspiration, bien sûr, pour faire vos créations, c'est ça. Là, donc on appuie sur une note et vous avez les accords. Voilà, pour faire du lofi, pourquoi pas. Bon les gars, si vous connaissez pas vos armos, eh bien c'est pas grave du tout, vous appuyez avec un doigt. Et il y en a. Avec des armes particulières, et vous voyez, bon, il y en a pas mal aussi. Expérimental, donc quelque chose d'assez expérimental.
Voilà, avec un carrousel assez original. Je rappelle que cette factory est inclue dans eh bien, le Falcon version 3 avec un prix spécial. Allez voir, franchement, rien qu'avec donc l'achat de Falcon, eh bien, vous avez donc pas mal de sons disponibles et puis évidemment des possibilités infinies au niveau de la création sonore. C'est ça. On fait vraiment de gros progrès là-dessus. Allez, expressive, E. Monophonique. Une série frétide. Voilà, avec toujours de belles images. Harmonique sur sûrement un sample de cordes de guitare cordes à nylon, donc classique. Une série d'FX. Évidemment pour le sound design. C'est trop tentant.
Voilà, on va jouer à Mario Kart. Voilà, donc on va pas tous les faire parce que là il y en a 1500 à se taper, donc c'est incroyable. Donc les gars, ils font que ça, nuit et jour, chez lui, pour notre plus grand bonheur, bien sûr. Allez, là c'est la section des claviers, clés, case. Bien distors, on va baisser peut-être un peu le volume pour pas vous écorcher les oreilles. Ah oui. D'accord, Clockworks, vous avez un petit quand vous appuyez, vous avez un petit son derrière qui fait que on dirait que ça sonne, voilà, comme une horloge derrière qui fait clic-clac. On s'énerve pas, mais on peut faire de la guitare aussi. Voilà donc les cases, on va passer sur quelques sons qu'on va tester avec des leads. Il y a juste ce qu'il faut comme effet, comme réverb. Référence à Daft Punk, bien sûr. Donc les leads synthés, il y en a aussi une ribambelle. Les fameux donc sont compatibles avec les contrôleurs MPE. Je n'en ai pas, donc on va pas les tester. Vous avez tout la descente d'orgue. Bon, c'est pas un B3, mais c'est un orgue quand même. Carousel. Voilà, si vous n'allez pas à la messe le dimanche, ça c'est le moment de faire des sons pour. Avec des sons un petit peu détunés. Vous avez vraiment de super sons. On se rapproche vraiment d'un son d'orgue vrai. Ok.
je vais tester le Las Vegas Church qui peut être inspirant. C'est plutôt John Lord. Avec un sacré arpégiateur, une série disco. Style disco, voilà, ça ressemble pas à un vrai orgue. Pas mal, pas mal. J'aime bien cette section d'orgue. Des pads, évidemment. Bled 2000. Une série de d'harmonie avec un cinquième. Voyons. Ah, oui, on l'a. Voilà, pour faire du style Procol Harum. Des sons super propres, super bien travaillés. Franchement, bravo Uvi. Sont vraiment type analo. Typé 80, rock progressif. Tiré sûrement d'un DX7. Voilà, donc là ils ont rajouté bien une série Pluck, voilà, avec des picks, des médiators. Et si vous vous concentrez donc sur ces petits réglages, eh bien vous avez quand même le nom au-dessus marqué. Alors je ne pense pas l'avoir vu sur, peut-être pas, sur l'autre Factory Bank. Donc évidemment, c'est des plucks. Il n'y a pas de sustain. Il y en a un peu. Mais attaque, bien sûr. D'accord. Ils sont vraiment bien faits, ces sons. Méditons. Mine de rien. Minimaliste. Multi-sample pluck. Voilà, on a fait quelques extraits, donc polysynthé. Allez, allons-y. C'était aussi trop tentant. Ah,
ça me fait penser plutôt à des jeux. Toujours bien maîtrisé. Hein. On va passer au Pulse. Évidemment, pulsation. Magnifique son. Rajouter un petit peu de phaseur, pourquoi pas. Allez. Vous voyez qu'avec simplement quelques petites retouches avec les boutons qui sont proposés, en fin de compte, ce sont des propositions et évidemment, vous pouvez aller dans l'édition et vous amuser. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais là, vous voyez, il y a pas mal d'effets. Et surtout à ce niveau-là, donc tout est modulable, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, le LFO Def, eh bien, vous l'avez juste en dessous. Voilà, le phaser speed, pareil. Vous cliquez, c'est vraiment bien fait. Ils ont vraiment passé énormément de temps sur les presets. On peut les applaudir. Ah, alors dans la Factory Bank, la première, il manquait du rythme. Voilà, il manquait du rythme, des beats, etc. Et là, eh bien, ils ont corrigé le tir avec, eh bien, ils ont anticipé, c'est le cas de le dire. C'est super bien fait, avec des grooves assez sympas. Il n'y a pas que des drums, là oui. Voilà, pour du dubstep. Voilà, conseillé bien sûr avec des BPM différents. Alors, c'est pas mal parce que quand vous changez de note, eh bien, vous avez automatiquement un nouveau loop. Voilà. Bon, là, on change un petit peu de tonalité. C'est le même loop, mais avec donc des tonas différentes. Et là, par contre, oui, vous avez une zone donc verte dans le clavier, avec des séquences complètement différentes. Et vous avez même donc un drum kill multi, donc vous pouvez séparer vos éléments de batterie. C'est super bien fait. Pour de la house.
Voilà, donc le thème il est fait, vous n'avez plus qu'à jouer. Donc évidemment, vous pouvez aller dans l'arpégiateur et vous pouvez bien sûr le changer. Et vous allez dire, oh, le mixeur, évidemment, ça n'a pas changé de place. Je regarde. Ouais, non, ça n'a pas changé de place. Et toujours des petites séquences, game des années 80, et il y a souvent ça donc dans leur banque, des petits clins d'œil. Un peu tribal, j'aime bien cette section-là, oui, rythmique, franchement, ça apporte quelque chose avec des séquences. Alors des séquences, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de sons intimistes bien travaillés. Tous leurs sons sont bien travaillés, mais là, ils sont allés un peu plus dans la simplicité. Évidemment, il y en a... ils ont fait un petit peu de tout pour faire plaisir, bien évidemment, à tout le monde et puis à toute catégorie de musique. On dit souvent que UV, c'est catégorisé électro. Alors oui, parce qu'ils ont beaucoup vraiment de banques. Donc pour l'électro, mais vous pouvez vous apercevoir que vous pouvez faire de la world music. Allez sur leur site, tout est classifié. Et on peut faire pas que de l'électro, on peut faire pas mal de styles. Ils ont des pianos, ils ont de l'orchestration, ils ont absolument de tout. Falcon, évidemment, inclut pas mal dans leur banque de sons vraiment électro. Mais par exemple, ceux qui font de la musique ambiante, relax, je fais beaucoup de musique relaxante. Travaillez vos sons avec déjà ce qui est proposé dans... et puis vous pouvez faire vraiment des albums magnifiques. Voilà. Ching Sequence. Que je vous disais tout à l'heure, là. Donc on est sur la Game Boy. Oh là là, il y en a 10 tonnes. Voilà, et sans citer d'autres marques, là, UV fait très fort. Pourquoi ? Depuis le départ, depuis que je les connais depuis une quinzaine d'années à peu près, ça fait déjà pas mal. Eh bien, leurs sons sont propres. Je regrette, ils sont propres par rapport à d'autres grosses marques. Je vais pas citer. Ils sont travaillés. Ils bavent pas dans le bas. Voilà. Ils bavent pas dans les aigus. Il y a juste ce qu'il faut. J'ai très peu de difficultés. Pas de difficultés donc à les travailler. Ils sonnent déjà comme il faut. Voilà. Après, chacun ses goûts, évidemment. Les séquences, eh bien, on va passer au string avec, bien sûr, je pense, des plutôt analogues. Faut pas vous attendre bien sûr à du vrai sample de cello, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment mélangé les sons analogues avec dans ces presets, notamment de string. C'est très joli.
avec avec des vrais, je suppose, des vrais samples de violon. Voyons le côté symphonique. C'est pas comme on l'entend, bien sûr. Et oui, voilà, et donc c'est original. Sound design, bien sûr. Allez, sweep. Voice, voyons les voix. Pareil que pour les violons, donc ce sont de vraies voix qui ont été retravaillées. Alors des voix un petit peu cyber. Hein. Ah, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout. C'est super angoissant pour le gaming. Et enfin, on va terminer avec les Winds. Et le dernier. Voilà, c'était la présentation eh bien des sons. Hein, c'est surtout ça, hein, parce qu'on n'est pas allé dans le. Et d'abord, j'ai pas tout vu. Hein, j'ai passé peut-être. J'ai pas trop bien dormi. J'ai testé pas mal de trucs. Et c'est vrai que j'utilise Falcon vraiment que pour pour des presets avec des presets et j'utilise. Quelques réglages, je m'amuse de temps en temps à jouer, à changer les oscillateurs, etc., les effets, mais j'avoue que je ne crée pas vraiment de son. Après, je pense pas qu'on puisse tout faire non plus, composer, faire des sons aussi, mais enfin bon, on va rester peut-être dans un registre. Moi, j'ai beaucoup de registres, donc je dis bravo pour à Falcon et enfin à Falcon, à UV pour Falcon, parce qu'au moins, eh bien, ça permet d'avoir du son instantanément, des sons originaux qu'on peut travailler facilement et eh bien aussi créer des sons facilement aussi grâce à leur template. Ah oui, alors là franchement c'est bien fait parce qu'au moins on part pas de rien. Et bien sûr, allez voir les tutoriels sur uvi.net qui vont vous aider aussi à créer vos propres sons avec vos propres samples. C'est ça, c'est vraiment infini. Voilà. Donc c'était Rémi Hortz du Nevada Studio. J'espère que ce petit tutoriel, cette petite découverte vous a été utile. Et puis bien sûr, eh bien, allez sur le site duvi.net, j'arrête pas de le dire, je vous rassure, je suis pas payé par eux, mais j'apprécie leur façon de communiquer. C'est d'ailleurs aussi, voilà, regardez leurs vidéos, elles sont super belles et leurs sons sont super beaux. Donc ça aide aussi à la créativité et c'est ce que j'aime bien chez UVI. Voilà, c'était Rémi Hortz du Nevada Studio, et eh bien je vous dis bientôt, salut la planète!